Bonsoir. Non, moi c'est Rose Lavo. Moi quitté Haïti à l'âge de 8 ans. Moi rentré ici, moi pas parler anglais du tout. Maman était déjà ici, papa était ici. Moi rentré avec deux autres frères moi j'ai un petit frère qui était fait ici. Le moins fait rentrer, moi j'ai eu un peu de difficulté pour me capable ajuster avec culture américaine là, pour me capable ajuster avec l'école. Mais moi j'étais contre en classe l'école pour aider me parler anglais classe atterrée les ESL que peut-être qu'on y a non changé mais c'est ça qu'on a les pendant que moi l'école yo qu'on prend un groupe élève que moi-même j'étais la dernière avec deux trois autres élèves et mettez nous en classe ensemble avec un professeur qui pour montrer nous parler anglais. L'anglais est venu un peu facile pour moi parce que maman parlait anglais, papa m'a déjà parlé anglais. Donc, il fait nous toujours à parler anglais en dedans là, qui fait que moi j'étais capable de prendre l'anglais facile. Mais c'est pour me capable vraiment intégrer dans la culture américaine. Moi j'étais un peu de difficulté parce que gens que nous avons vécu en Haïti étaient différents que gens nous viennent vivre dans le pays ici. Parents étaient un petit genre protectifs, ils voulaient que nous fassions tout le bien. So, nous n'avons pas vraiment gagné en pile d'amis, mais à cause que moi j'ai gagné frère moyen, moi j'étais capable de parler ensemble avec eux. Pendant que nous grandissons plus, nous venons un petit genre branchés dehors, nous gagnons des amis qui parlent anglais, qui fait que nous sommes capables plus vite parler anglais toujours. Moi continuer l'éducation, moi aller dans l'école secondaire, après ça, moi rentrer dans l'université. Après ça, moi fais maîtrise, moi, quand il y a là, moi travaille comme un administrateur pour payer ici dans l'hôpital qui aide des gens qui ont des petits problèmes mentaux, problèmes psychiatriques. Moi, vraiment, moi aimais ça que m'a fait, hein, moi senti que m'a aidé l'autre monde. Et avec l'anglais tout, le fait que moi parle créole, je parle un peu de français, me permet moi capable parler avec patients qui pas gagné en pile anglais qui anglais ou vraiment limité ou bien parler créole seulement, so moi capable aider ou puis capable comprendre ça que docteur a dit, puis capable comprendre ça que nous besoin pour faire notre traitement yo. So, c'était un plaisir pour moi capable participer dans projet ça pour capable dire comment que l'anglais aider moi le fait que capable parler créole pour m'aider l'autre monde qui pas parler anglais même gens que l'homme t'ai fait rentrer on t'ai joindre monde qui t'ai aidé qui pas parler et que les mêmes pas parler créole que même parler anglais. So, moi gagne opportunité pour capable aider un autre monde et ça a aidé ma pile. So, avec ça qui fait que moi j'ai un plaisir pour capable participer dans le projet ça. OK? Merci.